Si t'as un nez trop long que t'es serré dans tes pantalons, si tu as peur dans le noir, petit défaut deviendra super pouvoir. Un gros derrière mal fait, personne n'est parfait, t'es jaloux, t'es parano. T'es un humain, pas un robot. Les défauts, y'a pas mieux pour nous différencier. Demande au mini-justicier. Demande au mini-justicier. Les mini-justiciers. Allez, Bob! C'est qu'un escalier! Mais c'est où? Tu le descends tous les jours? Regarde par en bas! Au secours! J'ai le vertige! Et Bob, vas-y! Vite, sors ton parachute! Bob, et pour fêter dignement ton exploit, je te paye un tour de Grand 8 à la fête foraine. Allez, c'est parti. Un tour de Grand 8. Allez, l'écoute pas et viens, on va s'éclater. Regardez, hop, ça les mains. Hop, hop, ça les pieds maintenant. Bob, pourquoi tu sais pas toi? Ça craint rien, tu sais. Il préfère garder ses forces pour le grand vide, pas vrai, Bob? C'est trop planant. Hé, hey, Bob, il y a Eliette qui te cherche. Elle est au grand 8. Comment c'est trop... Bob, je te cherchais partout. Allez, viens. Quoi? Où ça? Bah, au grand 8, pardi. Moi aussi, j'ai peur, mais on fermera les yeux. Ouais. Non, je peux pas. Papa! Allez, laisse tomber, Eliette. Rien qu'en montant sur un tabouret, il a la trouille. Alors imagine le grand 8. Nous allons y remédier au plus vite. Surtout, ne quittez pas vos places. Oh, oh là là, Eliette! J'ai mon déjeuner qui remonte. Oh non! Regarde là-bas et serre les dents. Hé, hey, quoi là-bas? Le petit malin là, qui est sorti de son wagon. Retourne t'asseoir immédiatement. Ah, ma casquette! Allez, faut venir me chercher. Et toi, le petit vengeur masqué là-bas, où tu vas comme ça? Je vais sauver mon copain. Thank you.
surtout, ne regarde pas en bas. Je veux pas finir comme une crêpe. Non, laisse-moi. T'approche pas ou je te mords. Calme-toi, Jimmy. Courage, donne-moi ta main. Jimmy. Chercher petit Louis. Merci Bob. Encore un peu et mon poulet frites faisait le grand saut. Et Bob, tu es vraiment incroyable. Votre attention s'il vous plaît, la panne est réparée. Attention, départ imminent du train. Là-dessous. Tu vois, finalement, tu l'as eu ton baptême de grand 8. Alors, Jimmy, on s'en refait un tour? Quoi? J'ai rigolé, les gars. Je remonterai jamais dans un truc pareil. C'est trop horrible. Par contre, les copains, ça vous dirait d'aller manger une barbe à papa? On y va? Ouais. Si le vide te fait trop peur et que le vertige te paralyse, prends de la hauteur. Ah, tu verras comme ça défrise. Hein? Serré dans tes pantalons, si tu as peur dans le noir, petit défaut deviendra super pouvoir. Un gros derrière mal fait, personne n'est parfait. T'es jaloux, t'es parano, t'es un humain, pas un robot. Les défauts, y'a pas mieux pour nous différencier. Demande au mini-justicier. Demande au mini-justicier. Et mini-justicier. Roger, t'es prêt pour notre virée pique-nique en VTT? T'as la pêche! Je sais pas, je suis... totalement rapabla, on sait! On va faire péter le turbo. Hein, Roger? On n'est pas des mauviettes, nous. Ouais, c'est encore loin, la rivière. Hé, Roger, tu sais qui
il faut appuyer sur les pédales si tu veux avancer. Courage, Roger. Il n'y a plus que 10 petits kilomètres à faire. Dépêche-toi, Roger. À cette vitesse, on n'y sera jamais pour le pique-nique. Mais je fais ce que je peux. On pourrait faire une pause. Ah non, on en a déjà fait une il y a 5 minutes. Roger, Roger, est-ce que ça va? Hé, Roger, dis-nous quelque chose. Quelle heure il est? Quel lourd! On n'arrivera jamais au lac avec lui. Bon, écoute, Roger, le VTT, c'est pas ton truc. Tu restes là, tu te reposes et on te reprend au retour. Hein? Non, je veux venir avec vous! Non, tu restes là! À tout à l'heure! On voit bien que vous savez pas ce que c'est que d'avoir un petit coup de mou ou un gros. Quelqu'un pour te pousser ou quoi? Pas du tout! Vous avez devant vous Super la patate! Allez, c'est parti! Direction la rivière, en route! Hé, hey Roger, qu'est-ce qui t'arrive? T'as une fusée aux fesses ou quoi? Oh, moi j'en peux plus! J'arrive plus à avancer! Oh, allez les gars! Encore un petit effort! On n'est pas des mauviettes, les potes! Suivez-moi, je connais un raccourci! Ouais! Arrête! On n'en peut plus! S'il te plaît, juste une petite pause! Encore? Mais ça va pas! Si on veut pique-niquer à la rivière, on n'a pas intérêt à traîner! Arrêtez-vous! Hé! Hey, on est perdus! Oh, c'est pas vrai, Roger. Toi et ton raccourci de bidon. Pas de panique. On doit pas être très loin. Suivez-moi, les gars. Moi, je suis trop crevée. Allez, on peut pas rester là. Eh ben, si on peut. Oula. J'ai compris. La rivière. Super. J'ai trouvé le chemin. Levez-vous. Je vous dis que je sais où est la rivière. Ah bon, et alors c'est encore loin d'ici? Non, seulement 2 kilomètres! Laisse tomber, Roger, on n'a qu'à rester là. Tu veux pas t'asseoir un petit peu avec nous? Tu veux pas juste redevenir comme avant? C'était super, mais faut y aller tout de suite si on veut pas rater notre bus. Oh. Roger? Hein? Ouais, Roger, t'es redevenu Roger. Cool. C'est super. Ouais. J'espère que je ne vous retarde pas trop. Non, 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 t'inquiète pas, Roger. Prends tout ton temps. On n'est pas pressé, on t'attend. Tu sais, c'est pas important si t'es tout le temps à plat. Nous, on t'aime bien comme tu es.
Alors, on pourrait pas faire une petite pause? Si tu te traînes et que t'en as toujours plein les pattes, c'est quand même plus cool pour les copains que d'avoir une fusée dans le train. Si tu as peur dans le noir, petit défaut deviendra super pouvoir. Un gros derrière mal fait, personne n'est parfait. T'es jaloux, t'es parano, t'es un humain, pas un robot. Les défauts, y'a pas mieux pour nous différencier. Demande au mini-justicier. Demande au mini-justicier. Et mini-justicier. Cinquante-deux divisé par 8, je peux 6 et je retiens 4. Attention, les gars, chut, écoutez, on dirait que Greg a quelque chose à nous dire. Et donc, le résultat est... Et le résultat est... Ce sacré Greg, il se la pète trop en division. C'était pas moi. Alors, Greg, combien ça fait 2 plus 2? Ça ferait pas Prout, 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 Prout par hasard? Salut les copains, moi c'est Prout, Prout, et je fais des Prout, Prout. T'en fais pas, Greg, ça peut arriver à tout le monde. Tu vois qui c'est, Sonny Sancho? L'acteur super sexy qui joue dans Mambo Cash. Je l'adore. Et ben la dernière fois, en pleine interview, paf! Paf! Ben un Prout, quoi. Il a lâché un pet devant des millions de téléspectateurs. Et même que ça l'a rendu encore plus séduisant. Qu'est-ce que t'as fait, Greg? T'es qu'un gros dégoûtant. Ben quoi? C'était juste pour être aussi beau que Sonny Sancho. Regardez, Prout Prout a réussi à faire fuir Mireille. J'en ai vraiment trop marre de tout ça. J'en ai marre que tout le monde m'appelle Prout Prout. Je veux changer d'école et je veux changer de copain. Vivement que je pars très loin d'ici. Tu pourrais pas plutôt arrêter de péter tout le temps comme ça? Tu crois peut-être que j'ai pas essayé, hein? Laissez-moi faire, je vais arranger ça. Un conseil, éloignez-vous. Merci, t'es gentil mon petit, mais il en faudrait au moins 50 comme toi, rien que pour faire bouger une roue. Et voilà, ça roule. À la prochaine. Lucien, t'es fou ou quoi? Laisse ouvert. Tu veux qu'on finisse tous asphyxiés? Ouais, tu m'étonnes. D'ailleurs, Greg, pourquoi tu te fais pas dispenser Jim? Tu nous rendrais un grand service. Tu peux rire, je pète la forme aujourd'hui et je vais vous en mettre plein la vue. Tu veux dire plein les narines, c'est ça?
Bien. Répartissez-vous en deux équipes. Non, pas avec nous. Va dans l'autre équipe. Pas question que tu viennes nous empester. Dépêche-toi, Greg. Tu vas dans l'équipe de Petit Louis et d'Igor. Aujourd'hui, les gars, on joue contre l'équipe des Proutes-Proutes. C'est ça, mais vous allez prendre la raclée de votre vie. Bon, dès que vous avez le ballon, vous me faites une passe et moi, je m'occupe du reste. On va les massacrer. 1, 2, 3, on y va. Alors lui, il se prend pour la superstar du basket, hein? Ouais, carrément. Il a la super grosse tête. Moi, si j'ai le ballon, je te le passe à toi, Jimmy. Par ici! Igor, passe-moi la balle, allez, vas-y! Et voilà le résultat, j'étais super démarquée en plus. Vous en tirez comme ça, bande de minus, c'est ce qu'on va voir. Si ce petit prouteux y arrive, alors moi aussi je peux le faire. Allez les gars, feu marqué. Allez, elle est trop forte et grâce à Greg, on a fait péter le score. Hey, le dernier au vestiaire est une cloche. Oh, on dirait que mon super pouvoir a disparu. En tout cas, t'as super bien joué, Greg. Ouais, c'est vrai, t'es le meilleur. Et comment tu fais pour péter comme ça? J'en sais rien, ça me vient naturellement. Comme là, tout de suite, eh ben, je sens que ça vient. Et on va tous mourir asphyxiés. Mais non, je rigole, c'était une blague. Oh, désolé les gars, celui-là, je l'ai vraiment pas senti arriver. Celui qui dit qu'il pète jamais est un alien ou un menteur. Alors tu peux prouter en paix. Faut juste éviter les vestiaires. Trop long que desserré dans tes pantalons. Si tu as peur dans le noir, petit défaut deviendra super pouvoir. Un gros derrière mal fait, personne n'est parfait. T'es jaloux, t'es parano, t'es un humain, pas un robot. Les défauts, y'a pas mieux pour nous différencier. Demande au mini-justicier. Demande au mini-justicier. Et mini-justicier. Dis Zoé, t'aurais pas vu Sacha par hasard? Il est parti par là-bas. Ah ouais, je crois que t'as pas bien vu. Laisse tomber. Perdu! C'est normal avec ces espèces de saucisses que t'as à la place des doigts. Salut! Qu'est-ce que vous faites?
Ben, on attend Sophia, comme d'habitude. On refait une partie? Allez, Zoé, t'as qu'à commencer. Ouais, mais je sais pas jouer. Mais si, tu sais jouer, c'est fastoche. Faut juste arriver à enlever les pics un par un sans faire bouger les autres. Vas-y. Oh. Raté. T'as perdu, bigleuse. Ça te fait bien rire de te moquer de la bigleuse, hein? Et ben pour la peine, je joue plus. Il y a un lampadaire qui t'attaque. Ouais, je sais, les gars, je suis en retard. Bon, on y va ou quoi? Allez, à plus tard, la bigleuse, on t'enverra une carte postale. Pourquoi? Tu viens pas à la fête foraine? Ben non, j'ai pas le droit de faire du vélo. Et à pied, c'est loin. Et puis, de toute façon, ça me dit trop rien. T'es sûr? Bon ben, je file alors, sinon ils vont pas m'attendre. Envoie là-bas, Zoé. Que je te trouve, la bigleuse, tu vas passer un sale quart d'heure. Papa, papa, papa! On va régler ça à nous deux, Zoé. Hé, ma voiture! Je te prépare deux yeux tellement au beurre noir que t'arriveras même plus à loucher. Salut, Dédé! Non mais elle se fiche de moi en plus, cette bigleuse. C'est toi que je vais aplatir comme une crêpe, Zoé. Qu'est-ce que tu lui veux à Zoé, d'abord? T'as déjà volé mon auto-tamponneuse et t'as failli écraser Yvon. Et moi, alors? Un peu plus et tu me cassais les dents. Alors arrête de nous embêter, sinon t'auras affaire à nous. Et là, on rigole pas. Ouais, fiche ton camp. Vous croyez que vous me faites peur, bande de mauviettes? Laissez-moi donc lui régler son compte à l'autre bigleuse.
Tu cherches les ennuis de thé. Vite les copains, ça vous dirait qu'on aille faire un tour de grand roue. Merci Zoé, grâce à toi on a passé une super journée. Ouais, c'est vrai, la meilleure de toute ma vie. Oula, je crois que je vais vomir. Hé hey, Zoé, t'as qu'à dédoubler mon vélo pour pouvoir rentrer. Bah, où est passé ton costume? On dirait que j'ai perdu mon pouvoir. C'est pas grave, t'as qu'à monter sur mon porte-bagages, je vais te ramener chez toi. Salut Dédé, on t'enverra une carte postale. Celui qui ose te traiter de bigleuse et qui pense que tu vois rien, regarde-le bien, il aura l'air deux fois plus bête quand au lieu de rentrer à bicyclette, il sera sur ses gambettes. Hein? Ah! Si tu as peur dans le noir, petit défaut deviendra super pouvoir. Un gros derrière mal fait, personne n'est parfait. T'es jaloux, t'es parano, t'es un humain, pas un robot. Les défauts, y'a pas mieux pour nous différencier. Demande au mini-justicier. Demande au mini-justicier. Et mini-justicier. Salut Charlie. Salut tout le monde. Salut tout le monde. Comment ça va Jade? T'es prête pour la dernière répétition avant ce soir? De quoi tu te mêles? On avait déjà Marie qui devient rouge comme une tomate. Et maintenant on a Jade qui est verte de jalousie. Allez. Vas-y, Marie. Non, mais Jade, ça va pas dans ta tête ou quoi? C'est ça. Prends la défense de ta chouchoute. Jade, c'est toi, t'es vraiment vilaine, tu veux dire, c'est ça? Non, virée! T'es trop jalouse! Charlie, tu peux pas me faire ça? Moi aussi, j'ai bossé pour le spectacle! Cette Marie, si je pouvais la... Ah!
Trop cool. Quelle chance, je suis devenue super jalouse. Charlie, attends une minute. Alors, qu'est-ce que t'en dis? J'en dis qu'on a encore beaucoup de boulot, alors laisse-nous tranquille. Je crois que t'as pas tout compris, toi. Je suis super jalouse. Et si tu veux danser ce soir, ce sera avec moi. Bon, d'accord, tu pourras danser. Mais avec mon t-shirt. T'as raison, va-t'en. Mais n'oublie pas que je suis super jalouse. A piqué la sono. C'est pas possible, elle a pas pu disparaître comme ça, hein? Oh non, comment on va faire alors? On peut pas danser sans musique. Heureusement que Jade n'est pas là, elle serait trop contente. Mais dis pas ça, Jade est très jalouse, mais elle est pas si méchante. Ah, elle est pas méchante, mais franchement, elle est insupportable. Arrête d'être aussi dure. Tu sais bien, Edouard Charles Alex, que si elle est comme ça, c'est parce qu'elle a un faible pour toi. Ouais, je sais. Faut que je sois un peu plus cool, c'est vrai. Et alors, qu'est-ce qu'on fait, nous, maintenant? On annule le spectacle. Et on rentre chez nous. Attendez! Revenez, les gars! C'est quoi, ça? Natsuno? C'est toi, la voleuse? Ah! Je suis désolée, j'ai pas pu m'en empêcher. Je suis super jalouse! Le plus important, c'est de pouvoir faire le spectacle. Allez, viens, t'es plus virée. Mais je peux pas danser, je peux pas me détacher de ça. Mais pour me faire pardonner, je vais vous faire des super scratchs. Tes envies et donne-moi la main. Car dans la vie, écoute-moi bien, rien ne remplacera tes copains. Oh, fini.
fini. Quel boulot. Tu veux inviter tout ce monde-là à ton goûter d'anniversaire? Qu'est-ce que tu crois, demi-portion? J'ai des tonnes de copains et j'espère qu'ils vont m'offrir des super cadeaux, car l'année dernière, ils étaient nuls. T'es vraiment une langue de vipère. Moi, si j'étais à la place de tes copines, eh ben tu serais plus ma copine. Je ne t'écoute pas. Essaie de casser ta tirelire pour une fois, le radin. J'en ai assez, tes cadeaux à 2 centimes. Wow. Hey. Ah. Oh. 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 C'est pour ton anniversaire. Je serai là. Oh. On dirait Elliot avec des grosses lunettes de frimeur. Sympa. Par contre, t'amèneras ta propre cargaison de gâteaux, histoire qu'il en reste un peu pour les autres, gloutons. Bah, je sais pas si je vais y aller. Hey, salut, c'est quoi ça? Carmen nous invite à sa fête d'anniversaire. Moi, personne ne m'invite jamais. Il paraît que je pourris l'ambiance. Quoi? Parce qu'en plus, tu l'invites lui aussi? Dis donc, Madame Pouette Pouette Chochotte, pète un coup de temps en temps, ça te fera du bien. Eh ben, tu sais ce qu'elle te dit, Madame la Pouette Pouette Chochotte? Avec ou sans Greg, eh ben, ta fête d'anniversaire, elle sent moisie. Et moi? Mes cadeaux à 2 centimes, je préfère me les garder. Et tu pourras manger tes gâteaux toute seule. C'est pas mauvais. D'ailleurs, puisqu'on l'est pas assez bien, si on allait ensemble à la patinoire aujourd'hui, ça vous dit? Ouais, super idée. Ouais. À plus tard, la langue de vipère. Pour une fois que j'ai été invitée, merci quand même, Carmen. Bah alors, ils sont où tous tes copains? Ben, j'ai changé d'avis. Ils sont tous trop nuls, alors je les ai pas invités. Oh. Caroline, dis-moi franchement, est-ce que je suis une langue de vipère? Ben, c'est que... Carmen, c'est quoi ce nouveau costume? Quoi? Ça te plaît pas la demi-portion? Oh! Au secours! Caroline! Caroline, hein? T'es vraiment un king cloche! Ouais! C'est trop cool! J'ai le pouvoir de transmutation! Je suis... Super langue de vipère! Alors, la langue de vipère, c'était bien ta fête? Oui, super bien, monsieur le cornichon. Au secours, qu'est-ce qui m'arrive? Tu trouves ça drôle, le cochon tirelire? Lulu, tu n'es qu'une grosse baleine gloutonne qui gonfle et qui gonfle! Au secours! Aidez-moi! Qu'est-ce qui m'arrive? Carmen, arrête ça tout de suite! Quoi? Laissez-le sortir! Ils l'ont bien mérité! On va se faire aplatir comme des crêpes! J'ai fait! C'est à cause des méchancetés que tu dis!
Je crois pouvoir faire quelque chose. Toi, Lucie, un petit mécan vilain gros. Oh non, je voulais dire une minuscule et mignonne petite souris. Les gars, je suis vraiment désolée. Je voulais juste faire une farce pour me venger de tout à l'heure. Excusez-moi. Oh. Tu sais, Carmen, si t'étais un peu moins langue de vipère, eh ben on serait tous venus à ton anniversaire. Ouais. T'as raison. Je vais essayer de dire moins de choses méchantes. Et pour me faire pardonner, je vous invite tous à venir manger mon gâteau d'anniversaire. Enfin, si vous êtes d'accord. Voilà. Et ben moi, je suis bien contente de ne plus être transformée en cloche. Ça t'allait pourtant très bien d'être une cloche. Hein? Mais non, c'était juste une blague. Ma petite sœur Caroline, c'est vraiment la plus gentille. Et la meilleure de toutes les petites sœurs du monde. Dire une petite vacherie de temps en temps, ça peut soulager, c'est pas très grave. Mais si ça devient une habitude, c'est que t'as la langue des vipères attitude. Beurre. T'es jaloux, t'es parano. T'es un humain, pas un robot. Les défauts, y'a pas mieux pour nous différencier. Demande au mini-justicier. Demande au mini-justicier. Et mini-justicier. Tiens, c'est Jeannot la trouille, ça va? Mais c'est Monsieur Jeannot la trouille. Alors, la forme? Ben alors, tu viens ou quoi? Tu voudrais que je te donne la main pour traverser? Jeannot, arrête d'avoir peur, il est attaché. Viens, on va être en retard. Bon, moi j'y vais, hein, tant pis pour toi. Jeannot à la couille, Jeannot à la couille. Au secours, je suis dans le noir. Puisque tu es le dernier arrivé, Jeannot, viens donc réciter ton poème à la classe. D'accord, d'accord, Jeannot. Ce n'est pas grave, tu peux retourner t'asseoir. Alors, Jeannot la trouille, il a eu peur de sortir ton poème. Jeannot. Dis, Jeannot la trouille, ça te dirait de venir avec nous à la fête foraine cet après-midi? Si tu viens, je te promets de te payer un ticket pour le train fantôme. Arrête, tu veux le faire mourir de trouille ou quoi? Je suis pas un trouillard. Et le prochain qui me dit ça, je lui casse la figure. Oh maman, protège-moi, j'ai trop trop peur. Ha 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 ha
c'est vrai. Je suis une poule mouillée. Je suis tellement trouillard que je me fais peur moi-même. Bouh. Hein ? Bouh ! Waouh ! Je peux me transformer en monstre ! Ouais ! Je suis super la trouille ! Revenez! Ben qu'est-ce que là, ma viande? Tiens, mais c'est Jeannot la Trouille! T'es venu pour faire le train fantôme? Ouais, toi aussi? Merci, gros loup. Là-bas, j'ai vu Jeannot. Jeannot, ne me refais plus cette frayeur, pitié. T'es pas du tout un trouillard, t'es le meilleur. Jeannot, s'il te plaît, non. Ben, gros loup, qu'est-ce qui t'arrive tout à coup? On dirait que t'as peur de quelque chose. Alors là, Jeannot, fallait le voir pour y croire. Eh oui. Bon, on se le fait ce train fantôme ou quoi, hein? Arrête, Jeannot, sois pas si dur avec toi. Tu devrais plutôt nous attendre ici. Laisse-le s'il a envie de venir. Waouh, on va se faire croquer par des spectres. Jeannot, fais ta prière. C'est pour de faux, c'est pour de faux, c'est pour de faux. Jeannot a disparu. Jeannot, t'es où? Jimmy, Dédé, je vais vous arracher les yeux un à un et jouer aux billes avec. Je me détends. Alors les petits gars, on s'est payé la frousse de sa vie, hein? Mais gros loup avait raison. C'est toi qui faisais tout ça? Oui. J'ai le pouvoir de me transformer en terrible créature. Et rien que pour vous deux, je vais me changer en abominable monstre gluant. Bouh! Bouh! J'ai l'impression que monsieur a perdu son super pouvoir. Au secours! Ah! Avec moi, les filles, on va trouver la sortie. Jeannot, t'as vraiment été courageux dans ce fantôme. T'as même pas paniqué. Bravo, car moi j'avais la frousse. Quand je pense qu'on me prenait tous pour une poule mouillée. Alors que c'est Lucien qui nous a lâchement abandonnés. Moi aussi, en vrai, j'ai eu peur. Mais des fois, on peut arriver à être plus fort que sa peur, la preuve. Ça vous dirait une petite glace pour se remettre de nos émotions? Allez, on y va. Ceux qui disent qu'ils n'ont peur de rien, ce sont des crâneurs et des vantards. Il y a qu'à les mettre dans un petit train pour voir que c'est eux les plus trouillards. Ah!